Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien, c'est le chiffre 10, nouveau départ. Waouh, le 10 symbolise l'évolution. Il signale, eh bien, un besoin de repenser sa vie quotidienne ou de s'enrichir intérieurement à partir de nouvelles bases. Et il a la réputation d'attirer la chance. On le voit sur la carte, n'est-ce pas? Nouveau départ, un beau trèfle. Que signifie le trèfle? La chance, n'est-ce pas? Alors, le nombre 10, eh bien, évoque un besoin d'action. Et ce nombre, n'est-ce pas, va permettre à votre vie de tourner, eh bien, dans des directions positives. Si vous êtes prêt à grandir et à évoluer, c'est le moment de prendre un nouveau départ. Et vous pourriez même être témoin, pourquoi pas, de miracles ou d'une série très heureuse de concours de circonstances à des moments où vous vous y attendrez le moins. En général, n'est-ce pas, le changement indiqué par le nombre 10 concerne des changements qui vont être radicaux ou qui vont être totalement inattendus. Le 10 se réfère au fait que les choses ont tendance à évoluer par cycle et à tourner un peu, eh bien, comme une roue, comme je dirais la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, n'est-ce pas? Ce nombre 10, eh bien, peut aussi indiquer que vous êtes peut-être dans une situation incertaine ou éphémère. Et le 10 est souvent à l'origine d'événements inattendus, qui va peut-être vous obliger à vous adapter en conséquence, à vous peut-être transformer, à prendre un nouveau départ ou à saisir une nouvelle opportunité. Soyez bien ouvert aux changements qui vont arriver. Le 10 favorise la réussite, mais très certainement après avoir connu peut-être que certains d'entre vous une période difficile ou après avoir traversé quelques difficultés. C'est le moment d'un nouveau départ. Vous avez fermé des portes. Ça vous permet d'ouvrir d'autres portes. Alors pour celles et ceux qui ont fermé une porte, eh bien cette carte vient vous dire ouvrez la porte suivante. Car il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. La chance est avec vous. Ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Alors maintenant, si c'est par rapport à votre vie sentimentale, eh bien, vous avez fait le deuil, vous avez fermé cette porte avec votre ancienne relation, donc il y a un nouveau départ. Si maintenant c'est au point de vue de votre travail, vous avez mis les choses au clair et vous allez avoir des belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et vous ne vous y attendez pas du tout. Alors, vous serez protégé, hein, par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous. Et agissez vraiment en étant très serein. Soyez bien, bien enthousiaste. Souriez. Votre journée promet, eh bien, des bonnes choses. Cette semaine, parce que je fais cette capsule pour la semaine, eh bien, cette semaine vous promet des belles choses, vraiment.
C'est vraiment une carte de nouveau départ. Alors pour certains d'entre vous, eh bien vous avez acquis une belle confiance en vous et vous allez de l'avant. Vous vous sentez protégé, vous agissez avec beaucoup de joie et d'enthousiasme parce que vous avez confiance en vous et que vous êtes parvenu à fermer les portes que vous deviez fermer. Et ça, c'est un beau travail que vous avez effectué. C'est vraiment un très, très joli travail. Et quand on ferme une porte, eh bien, on en ouvre une autre. Et ça ne peut être que salutaire, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes peut-être dans l'inconnu, ok. Mais vous êtes libre. Vous avez rattrapé cette confiance que vous avez perdue. Enfin, c'est une belle carte, n'est-ce pas, pour celles et celui qui auront choisi la carte numéro 1. Eh bien, on vous demande d'y aller. Vraiment, vous avez ce beau trèfle à 4 feuilles. Je vous souhaite une belle journée, une magnifique semaine, et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Je suis désolée, il y a un avion qui passe. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. À tout bientôt. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, j'ai pigé le numéro 27, intelligence du cœur. Eh bien, ce nombre vous invite à utiliser l'intelligence, l'imagination et l'inspiration pour donner vie à vos projets. La philanthropie, la bienveillance et la compassion, si vous ne le savez pas, sont les trois essences fondamentales du nombre 27 en numérologie. Et le 27 est aussi, eh bien, un nombre spirituel qui nous renvoie à des valeurs de sagesse, de force intérieure et d'équilibre. Et ce nombre pourrait donner lieu à une prise conscience et à une évolution spirituelle pour certains d'entre vous. Côté amour, pour certains d'entre vous, vous êtes très sceptiques présentement quand il s'agit d'aimer et de croire une autre personne. Quelle est la raison? Eh bien, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été blessé dans le passé et vous avez peur. Peur d'avoir cette attitude positive dans une relation. Eh bien, l'univers vient vous dire que vous ne trouverez jamais l'amour si vous continuez à le chercher tout en étant négatif et en poursuivant toutes ces émotions négatives. On vous demande d'avoir foi en vous. Foi et comprendre que tout ce qui vous arrive dans la vie, eh bien, est quelque chose qui vous fait grandir. C'est important. Le nombre 27 signifiant, quand il s'agit de votre vie personnelle et de la création de relations avec votre famille et vos amis, eh bien, vous êtes une personne qui a beaucoup d'amour, mais vraiment beaucoup d'amour, beaucoup, pour beaucoup de gens en tous les cas. Vous êtes quelqu'un qui essaye toujours de pardonner à tout le monde et vous donnez toujours à chacun une seconde chance. Et si vous ne le faites pas, eh bien, pour certains d'entre vous, vous vous sentez mal et vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un. Alors, vous devez comprendre que dans la vie, eh bien, tout le monde n'est pas là pour vous écouter, écouter votre histoire. C'est bien et c'est vous. C'est vous qui choisissez qui sont les personnes à vos côtés. Si quelqu'un ne cesse de vous trahir,
Vous ne vous rendez pas service en négligeant cette culpabilité que vous ressentez lorsque vous lui donnez une chance de plus. En fait, vous devez leur dire que vous voulez vous éloigner d'eux pour le moment. Et vous pouvez facilement leur offrir, eh bien, peut-être une opportunité, une autre opportunité, quand ils prouveront par leur action qu'ils se sont améliorés. En ce qui concerne les affaires, la signification du nombre 27 vous suggère d'avoir un pouvoir de manifestation pour apporter des résultats positifs dans votre vie. Vous êtes très stressé pour le moment, pour certains d'entre vous, quand il s'agit de travailler, et vous êtes toujours entouré d'objectifs variés et des choses que vous devez faire. Ce n'est pas la bonne façon, n'est-ce pas, de gérer les situations, car vous allez attirer des émotions et des énergies négatives. Essayez plutôt d'être la personne la plus confiante que vous puissiez être et appréciez les choses qui vous sont destinées. Maintenant, si vous pensez que tout est un peu compliqué présentement dans votre travail, demandez de l'aide. Vous savez, il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, à demander de l'aide à quelqu'un. Et ça va vous renforcer, évidemment, dans les objectifs que vous avez au point de vue de votre travail. Et bien voilà pour la carte numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite une très jolie semaine, une très belle semaine dans l'amour, hein, n'est-ce pas, inconditionnel, dans le rire, la joie, la tolérance, et puis nous autres, on se retrouve eh bien, pour une prochaine capsule. Et d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous embrasse, à tout bientôt. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien c'est le numéro 28, Alliance. C'est le nombre des alliances et des partenariats qui conduisent à terme à une réussite professionnelle. Alors, le nombre 28 symbolise aussi, eh bien, l'indépendance, la diplomatie et l'autodétermination. Ce nombre, il est enthousiaste, il est entreprenant. Il aspire à une notoriété ou à un pouvoir. Il a le sens des affaires et une énergie de leader. Il se montrera toujours à l'aise avec son équipe car il possède le sens eh bien, de la collaboration et de l'association. Il sait être ouvert aux suggestions de son entourage. Ce nombre doit cependant souvent compter sur lui-même pour arriver à ses fins. Le 28 est réaliste, il est efficace quand il s'agit d'affaires financières. Il se montre vigilant et ambitieux dans ses actions. Et il est loyal, il aime vraiment entretenir de belles relations saines et authentiques. Vous pourriez prendre la décision de vous unir, de vous marier. Vous pourriez aussi nouer un partenariat positif. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, vous recevez en ce moment vraiment de belles aides et des appuis que vous devez eh bien, repérer et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Soyez attentive, attentif à ce qui vous entoure, parce que il y a des belles occasions
à saisir. Alors avec cette belle carte alliance, n'est-ce pas, on voit vraiment deux alliances. Cette carte, le 28, eh bien, on vous dit aussi que vous êtes protégé et que vous devez développer davantage votre confiance en vous, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Vous avez peut-être passé des moments difficiles, mais ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, avec cette foi et avec cette belle détermination que vous avez en vous. Alors on voit que pour certains d'entre vous, vous avancez avec une grande détermination. Vous saisissez vraiment les opportunités qu'on vous met sur votre chemin de vie. Et vous restez aussi très autonome tout en collaborant, n'est-ce pas? Et vous croyez en votre pouvoir personnel. Voilà, c'est une magnifique carte, une alliance pour les couples. Eh bien, c'est aussi, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, que ce soit côté professionnel ou côté personnel ou côté amoureux. Et vous pourriez prendre la décision de vous unir ou de vous pacter. Voilà, c'est une superbe belle carte. Soyez à l'affût de tout ce qui se présente, car rien n'est hasard. Tout ce que vous vivez ici sur votre chemin de vie ici terrestre, eh bien, tout a une signification, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis portez-vous bien, une excellente semaine. On se retrouve pour une prochaine capsule et moi d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.